tous, salut dans cette nouvelle vidéo de Gimmicky. On se retrouve aujourd'hui les gens pour une vidéo. Je sais pas. Exceptionnel, voilà. C'est le premier épisode. Je sais pas qu'est-ce qui sort aujourd'hui, mais c'est Pokémon épée bouclier. Et Gronky en a pris un coup. Donc, ah bah bravo, Wistempo est mort. En tout cas, faut pas hésiter à mettre un maximum de, ouais, de commentaires à nous dire si ça vous plaît ce premier épisode vous de Pokémon épée. Il y a Wistempo, il y a Flambino et l'Arméléon. Donc les trois starters, on va aujourd'hui choisir notre starter, les gens. Pour l'aventure, moi je joue sur épée aujourd'hui, donc ça sera épée le let's play, puisque c'est moi qui vais être obligé d'attendre les vidéos pour pouvoir jouer, et Kim qui va pouvoir aller tranquille dans son coin à bouclier. Oui, et donc moi je l'ai pas encore ouvert, j'attends de. Pourquoi t'as bouclier en fait? Pourquoi j'ai bouclier? Parce que bouclier, il y a Ponyta de Galar. Du coup j'ai pas eu le choix, voilà. Donc moi, t'as qu'un artichaut? Ouais. Je crois que c'est dans épée. On ne sait pas, on verra, on a oublié. En tout cas, c'est vraiment cool, nouveau Pokémon, c'est ouf parce qu'on attendait ça avec impatience. Ouais, 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 on va se faire notre avis. Franchement, on n'a pas été spoil, on n'a rien regardé, on n'a même pas trop regardé les bandes annonces à part dans le Pokémon direct. Ouais. Le premier, on sait. Ok, ouais, ça commence comme ça. C'est flou. Feu d'artifice, ouais, gros ok. Ouais, j'aime bien le nom anglais, donc c'est. Wistempo. Wistempo. Très cher public, bienvenue à cette célébration du merveilleux monde des Pokémon. Pokémon. Attrapez les. Ah, Galar la belle, Galar la verdoyante, Galar aux villes éclatantes. Galar où tout le monde vit dans le respect, Galar ce havre de paix. Oh, c'est joli. Mais je vous le demande, cher public, quelle serait notre belle région sans les Pokémon? C'est quoi ce machin? Si Galar est un tel paradis, c'est parce que humains et Pokémon vivent en harmonie. Ces créatures sont partout autour de nous, dans la mer, les airs, les rues de nos villes. Je parle trop vite en fait. Ouais, tu parles trop vite. Faut que tu parles plus lentement. Certains dédient aux soins et à l'élevage des Pokémon afin de combattre à leur côté. Héros au quotidien, mes chers amis, ce sont les dresseurs. Woo! Oh non, on me signale dans l'oreillette que j'ai oublié de me présenter, je suis Chère Rose pour vous servir. Chère Rose. Je sais plus. Il est temps d'accueillir le plus grand dresseur de Galar. J'ai nommé Tarak, le maître. Applaudissez bien et bien fort. Tarak. Je marche comme l'une dans le monde égo. MDR. Oh, avec Tarak au feu. Il faut ça, regarde! 3! Il fait comme ça, 3. Pourquoi 3? Tarak, match amical ou pas, je m'en fiche. Tu n'as pas pu rester. Tu ne peux pas rester avant quand le temps. Je me donne toujours à fond droit et ce n'est pas aujourd'hui que je vais perdre un match. Dracofeu Dynamax! Et il est trop beau, Dracofeu Dynamax! Je veux la carte Dracofeu Dynamax! Parce que. Encore Dracofeu, on va dire. Ouais, Dracofeu. Ouais, mais Dracofeu quoi. Bah, Dracofeu. Dracofeu Dynamax? Non, c'est pas Gigamax? Non, c'est Dynamax. C'est Dynamax. Pokémon épée! Pokémon épée! Donc toi t'auras pas la même intro. Pokémon épée, donc moi je verrai mon. Oh, des moumoutons! C'est ça, mon mouton, hein? Oui, c'est mon mouton. Mon mouton, moi je veux capturer mon mouton. Ah, c'est trop mignon! Et donc les gens, c'est parti, ne vous pas hésiter à mettre un maximum de pouces bleus, c'est mon plaisir. Voilà. Aujourd'hui on commence cette aventure, ce sera tous les jours. Et ça se suivra mon aventure, vous aurez des nouvelles de l'aventure de Kim de son côté. J'essaierai d'avancer au même rythme et de toute façon, quand on finira, elle aura toujours plus d'avance. Non, hein, mais... quand on finira, on avait fait la ligue avec mon côté avec Pokémon Let's Go Evoli, voilà. Et on fera sans doute la même chose. Donc là, c'est Guillaume qui joue à la Nintendo Switch. Nabil, yo! Oh, t'as un nouveau. Ah ouais, tu veux faire Nabil, vas-y. Bah, je fais Nabil. Pour l'instant. Tu m'appelles Nabil là, du coup. Voilà. Oh, t'as un nouveau téléphone, Guillaume, la classe. Pour ça, je m'appelle Guillaume et pas GK dans le jeu parce que c'est ma partie. Ouais, et moi j'aurai ma partie. Et Kim aura sa partie avec Marie Kim dedans. Voilà. Et tu peux mater le match de mon frangin avec. Trop bien. T'as rocké Nabil. Tu sais que pour l'encourager, il faut prendre la pose Dracofeu 1. C'est ça, non? C'est 3. Ah, te voilà, mon petit Nabil. Bah, je fais ma vas-y. Alors, c'est le grand jour. T'attends, c'est beaucoup moi qui vais jouer donc. Ah, bonjour, madame. Bah, du coup, fais-le. Ouais. Bah, c'est pour ça, j'ai cru revenir chercher Guillaume. Tant pis pour le match, on peut le regarder une autre fois. De toute façon, moi, je parle pas. Oui. Le personnage parle pas. On enregistre tous les combats du frangin à notre maison, de toute manière. Allez, Guillaume, viens. Et oublie pas ton sac, on va peut-être recevoir des cadeaux. Cadeaux, des cadeaux. Bonne journée, madame. Cadeaux.
Je dis pas bonne journée. Donc voilà, hein, je choisis ça comme starter. C'est voilà, bien. Je pense que vous l'avez deviné et je pense que vous avez deviné déjà que dit, je prends Flambino. Ah, je bouge. Ah, c'est toi, t'as jean déchiré et tout. Voilà, wouhou. Groinf, c'est rapide. Hein. J'avoue, ça va. Je peux pas aller doucement. Ah si, je peux aller doucement. Alors, avec quoi tu peux interagir? Groinfrex a tendance à laisser des miettes autour de son panier. Ah, c'est le panier de Groinfrex. Ah, c'est bien avec Groinfrex. Salut Groinfrex. Tu dors? Non, ok, il dort. Les étagères sont pleines de livres et de magazines sur les Pokémon. Bon, je pense qu'on peut, on peut passer. Je pense que je peux aller dans ta chambre. Les étagères sont pleines de livres. De... Ah oui, dans la chambre. Dans la cuisine, bonjour maman. Ma chambre est grande. Ah oui, c'est ma chambre. Oh, trop bien. Oh, bah dis donc. Peluche Pokémon. Oh, c'est une peluche Pikachu et toute douce. Le médaillon. Ah, il y a une Nintendo Switch. Ah ouais, Nintendo Switch, c'est la dernière console à la mode déposée à proximité de la télé, c'est toujours pareil. C'est une télé high-tech achetée en même temps que la console. Quelle console? Je ne vois pas de console, moi. De toute façon, on est obligé d'avoir la console pour jouer, tu sais. C'est une télé high-tech, non, ça, c'est un poster de Pokéball. Là, je peux rien faire. Oh, il y a Evoli. Oh, Evoli. Bah, Evoli Pikachu. Ah, Evoli Pikachu Dracaufeu, ça commence bien. C'est très original. Celui a été acheté à famille. Ah, c'est quoi, ça? Ah, bah, c'est... Vous prenez le vieux sac de votre papa ainsi que votre bonnet. Yeah! Ah, c'est les sacs de ton père. C'est une vieille valise en fait. Ouais, c'est une vieille valise. Est-ce qu'on pourra te changer, tu penses, ce sac? Bah, je sais pas, on verra bien. Ouais, alors, donc là, il y a la carte du monde. ABC Aventure, ouvrez votre. Ah, mais donc le menu principal avec X, donc pour sauvegarder, pour la carte. Là, si j'appuie sur X. Ok, d'accord. Donc, okay, donc c'est l'écran du bas de la DS, on va dire. Sac, pour l'instant, je pense qu'on a. Ah, on a des potions. Ah, des potions. Oh, déjà. Okay. Bah, tu commences avec ça? On n'a pas de Pokéball, on n'a pas de jeu de combat, on n'a pas de CT, on n'a pas de trésor, on n'a pas d'ingrédients, on a la canne à pêche. La canne à pêche. Ok. On a 1000 Pokédollars, on va sauvegarder, comme ça c'est fait. Sauvegarder la partie. On est à Paddockstone. Paddockstone. Notre Switch n'est pas à l'heure, et n'est pas. Si elle est à l'heure, mais elle n'est pas à jour au niveau de la date. Bon, on va parler à maman. Coucou maman. Oh, mais tu es absolument adorable avec ça, ça a que des souvenirs. Fils. Village. Ce pauvre navire. Fils. Dans 5 sans patienter, souviens-toi, ne va surtout pas dans la forêt. On va aller dans la forêt. On peut pas aller à l'étage. Non, on peut pas, y a pas d'étage. Mais si. Ah non, mais ma chambre a été là. Mais là, là. Mais ah, mais l'étage, c'est pour sortir. Ah, il y a des. Allez, rejoindre Nabil dehors. Elle est marrante la map. Ouais. Sac à dos. Mais comme on sait pas trop spoil, on a pas trop d'avis pour l'instant. Non. On va commencer l'aventure. De toute façon, je pense que ça va être comme tous les Pokémon. À la fin, va falloir. Enfin, à la fin. Toutes les 5 minutes, il va falloir attaquer. Rose bouton, c'est ça? C'est rose bouton, lui. Oui. Rose. Je vais faire du jardinage. Mon bouton! Purée, c'est quoi ce sac? T'avais pas plus grand? Remarque, c'est pas une mauvaise idée. Comme ça, même si mon frangin, je refile un Pokémon énorme, tu seras prêt. Mon bouton! Oh là là! Il a mouton un peu teubé. Tiens, un mouton, qu'est-ce que tu lui fais là, mon gros? Il roule. Ils sont mignons, mes moutons. Ouais, ils sont trop mignons. Moi, j'ai une peluche de mouton. Oh, elle t'a rien fait, la barrière. Pas besoin de lui donner des coups de boule. J'espère que t'as pas l'intention de la traverser. Il y a des Pokémon dangereux qui rôdent dans la forêt de Sleepwood. Sleepwood. Ah, Moumou? 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 Momo. Moumou? Momo. Allez, on fait de la course jusqu'à chez moi. Et le dernier arrivé est un escargot. Ok, ça ressemble déjà pas mal avec ta valise. T'as emporté toutes tes affaires ou quoi? Ok. Ah, c'est trop bien, comment il se place, mon mouton. Et ils roulent tous là-bas, Yana. Ah, ils roulent tous. Ah. Bonjour, monsieur. La technologie, c'est un truc de dingue. Maintenant, il suffit de marcher pour faire des échanges ou des combats, c'est fou. Pokémon Go. Petite pute cachée. LOL. Moumou, il bloque la barrière. C'est un truc pour s'entraîner dehors, c'est trop bien. Ah, c'est ça, c'est une petite arène. Je suis pas sûr qu'on puisse ouvrir les portes et tout, hein. Je pense que c'est assez limité. Oui, c'est Pokémon, ouais, hein. Non, on peut ouvrir. Ouais. Sinon, ça ouvre tout seul, j'ai pas besoin d'appuyer. Donc c'est la maison de Nabil. Il a un frigidaire high-tech avec un distributeur de glaçons. Ouais. Nabil. Non, c'est moi. Te voilà, Nabil. Oh, Guillaume est là aussi. Enfin, entre, fais comme chez toi. Là, il est où le frangin? Il n'est pas encore là, la patience. Ce n'est pas vraiment ton fort, mon fils. Mais il doit être arrivé à la gare de Brasswick. Brasswick, ouais. Yeah. Ah ouais, faut vite qu'on aille le chercher alors. Vu que c'est un sous-doué de l'orientation, il sera capable de se perdre en chemin. Oui, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée. Bah sympa, vas-y, casse-fixe sur ton... Guillaume, t'as jamais rencontré mon frangin. Tu viens avec moi, ça me ferait trop bizarre que vous fassiez connaissance. J'attends sur la route. Ok. On peut fouiller chez... Mais on pouvait fouiller. Mais non, il nous attend. Sauvegarde en cours. Donc ça sauvegarde, je crois qu'on passe les portes, comme Luigi. C'est par là, parce que tout à l'heure, il y a le mouton qui gênait. Ah, c'est joli, remarque. Hein. Ouais, c'est joli, hein. Allez, enfonce. Eh bien, au fond, on se fait juste gaffe, Guillaume. Il y a des Pokémon tapis dans les eaux d'herbe qui peuvent débouler sans prévenir
Moi ça va, j'ai mon petit mouton, je peux me défendre, mais toi t'as pas encore de Pokémon, donc approche pas des trop hautes herbes. Moi j'ai... C'est les mêmes mimiques que celui qu'on devait battre à Lola. Ouais. Donc là c'est pour faire... Donc là, Lola, faut surtout pas y aller. Non. Tu vas pas de les herbes comme ça. Comment tu vas faire sans Pokémon pour t'aider en cas de besoin? Ok mec. Donc toute ta vie, t'es jamais allé dans l'herbe, hein? Ouais c'est ça, toute ma vie, donc j'ai 15 ans et j'ai jamais été dans l'herbe et... T'as 15 ans, t'as... normalement il commence à 10 ans, non? Mais... Pas, moi je voulais y aller, j'avais envie. Donc on voit pas les Pokémon sortir ou que c'est pour l'instant? Oh le Pokémon Center est trop bien. Brasswick. Ah, oui, ouais. Oh il est là avec son dragon feu, je l'ai vu. Je voulais une photo. Bonjour. Il... La pose dragon feu. Ah il est trop fort, ouais. Oh là là. Monsieur, je me la pète. Chers habitants de Brasswick, votre maître Tarak est de retour sur ces terres. Je vais pouvoir continuer de me battre et gagner pour vous, public adoré. Vive le maître Ragu, Dracofeu Power. Dis Tarak, tu pourrais faire une petite chose de Dracofeu après? Bien sûr, je suis toujours là pour mes fans. Évitez d'élever vos Pokémon avec amour et bien. Alors, faut savoir que Guillaume invente des mots, il rajoute des mots. Quand je dis beaucoup, je romance en fait. Et sachez que je suis toujours disponible pour un combat, donc n'hésitez pas à venir me défier. Bah je lis sans lire en fait. On est super fan de toi Tarak, on rêve tous de t'affronter. Oh là, baisse de framerate. On commence. Mais Dracofeu est carrément trop fort pour nous. C'est vrai que Dracofeu est super fort, mais n'importe quel Pokémon peut devenir aussi puissant que lui avec un peu d'effort. En vrai, les combats de Pokémon c'est pas sorcier, c'est juste qu'une question de volonté. C'est pour ça que j'adore affronter les assureurs qui en veulent. Je n'ai qu'à rêver, faire de galère. Une réserve de super dresseurs, qu'on soit les meilleurs du monde. Galar number one. Je me cache derrière Wistempo. Draco. Mais il est pas plus grand que ça, Draco, normalement. Yo, il fait toutes les voix. Mais Tarak est très grand. Frangin. Oh, Nabil. Et sacré PNL. Voilà, Tarak et Nabil. Excusez-moi un instant, mon plus grand fan est dans la place. T'as encore grandi, t'as au moins gagné 3 cm facile. Ah, de me charrier, frangin, je serai un jour plus grand que toi. Je vois que tu es venu accompagner, laisse-moi deviner. C'est toi, Guillaume, je parie. Mon frère me parle tout le temps de toi. On se nomme... Tarak, l'invaincu. Mais pourquoi? Oh. Alors, il me parle toujours de toi et après il parle, mais mec, il parle de lui. Oui. Je suis le maître de Galar, j'adore les Dracofeu, enchanté. Je trouve qu'il a un melon à la place de la tête. Hein. Voilà. Eh, ça vous dit qu'on fasse la cour jusqu'à la maison? Allez, on court, ouais. Ah là là, ce Nabil, il a toujours autant d'esprit de compétition à ce que je vois. Il a horreur de perdre, mon petit frère, c'est ce qu'il lui faut. C'est un rival qui le challenge un peu. Sur ce, au revoir tout le monde. Et n'oubliez pas, Dracofeu Power. Oh mon dieu. Ça va être le comique de du let's play. Hein. Bah de toute façon, toujours. Hein. Pokémon, il y a toujours un truc entre les ouch-ouch de Alola. Un peu ridicule. De Alola. Voilà déjà ça, on attend, on n'a pas encore vu la team. Hein. Ah j'adore, vas-y. Dracofeu Power. Alors frangin, où est notre cadeau? Tu avais promis qu'on aurait un Pokémon chacun, moi et Guillaume. T'en fais pas, tu vas l'avoir, ton cadeau. Un maître tient toujours sa promesse. Matez un peu ça les minus, vous allez en prendre plein les yeux. Bah là, je m'en défends noir pour l'instant, alors du coup, je sais pas trop. Admirez un peu le choix. Quoi? Ah ouais, comme ça. Direct comme ça. Ok. Oh. Ah moi c'est choisi. Hein. Oh ils sont trop mignons. Ah ils ont fait une scène d'intro et tout, c'est stylé par contre. C'est la première fois qu'on peut voir les starters comme ça se balader. Flamino il est énorme. Flamino il est trop bien. Flamino est pas mal aussi mais Grookey. Ah oh, il est trop bien. Ah ça te montre un peu du coup. Oh il est trop chou. Ouais, ils sont trop chou. Ouais c'est trop stylé, ouais, c'est trop kawaii. Du coup je les prends les trois. Allez, j'adopte les trois moi. Tu peux prendre les trois? Ah c'est. Du coup c'est dur de choisir. C'est dur de choisir. Choupi, ouais. Petit Marmélon qui pleure et tout, ouais, et personne va le prendre. C'est pourquoi? C'est parce que personne n'aurait pris Marmélon s'il avait pas fait pleurer. C'est pour ça. Tu penses? Non parce que plein de monde va mais prendre. Non, les trois se valent. Les trois se valent, ouais. Moi j'ai déjà mon mouton. Quoi? Mais ça va être son Pokémon de prédilection, mon mouton quand même.
Oh, il sourit quand tu t'approches. Regarde. Oh, l'espoir. Moi. Regarde. Attention. Moi. Et l'arméon qui pleure. Regarde, attention. Moi. Regarde, il pleure sinon. Oh, c'est horrible. C'est triste. Oh, regarde. Bon, allez, toi. J'avoue, il est trop mignon. Ouais, avec son bâton. Wisdom Po est de type plante. Il est calme et apaisant comme la forêt. Tu veux Wisdom Po? Oui, le Pokémon de type plante. Et je veux les deux autres aussi. Oui. Wisdom Po. Vous avez choisi Wisdom Po. Donc, faut nous dire si vous, ce que vous avez choisi. Hein. Non, pas de surnom par contre. Les surnoms, on n'a pas le droit de donner des surnoms. Wisdom Po a rejoint votre équipe, donc c'est ton premier Pokémon. Du coup, on peut voir les Shiny ou pas? Sur eux. Je sais pas. Faut nous dire les gens. Faut dire si on peut voir Shiny au moment du choix, si c'est possible, s'il y en a certains d'entre vous qui l'ont fait ou pas. Tu pars sur Wisdom Po, très bon choix. À mon tour, l'Arméléon, je te choisis. Forcément. Je te préviens, j'ai l'intention de devenir le prochain maître. Donc on va s'entraîner de ouf, tous les deux, je compte sur toi. Et du coup, accepté. La victoire de l'Arméon. Regarde, il est copain avec mon mouton. Bien des habiles, c'est exactement pour ça que je vous ai offert ces Pokémon à toi, Guillaume. Entraînez-vous pour devenez assez fort pour me vaincre. Et là... Oh. Quant à toi, ne t'inquiète pas, ce mec est... En fait, s'il est adopté par... Par le champion. Oh, le pauvre qu'on m'a regardé. Ouais, c'est horrible, trop triste. Mal au cœur. Dragon Feu t'apprendra le métier, tu vas voir, il est aussi puissant qu'il est gentil. Du coup, j'aurais peut-être pas dû prendre lui, parce que s'il a Dragon Feu, je vais me faire exploser, en fait. Le mieux, c'est de prendre l'Arméléon, puisque de toute façon, il a Dracofeu. Feu. Tout le temps. Ouais, mais de toute façon, tu vas en avoir. Oui, les enfants, c'est l'heure de dîner. Oui, tu vas en avoir des... Bah oui, t'as pas qu'un Pokémon. Moi, mon mouton, c'est le premier que tu dois prendre. Ouais, mon mouton, il est trop bien. Oh, mais regarde, c'est trop mignon, il se balade et tout. Enfin, il se balade pas, mais ils sont tous là. Ah bah, donc, ça va. Gros barbecue, quoi. Tan. Donc on a dormi. Le lendemain. Alors, comment s'est passé votre première soirée avec le nouveau partenaire? C'est bon, vous avez fait connaissance? Carrément. Wisdom Po est déjà super fan de Guillaume, ils sont inséparables. Je peux parler? Excusez-moi, j'ai envie de dire un truc. Ah cool, j'ai déjà compris ce qui est le plus important pour un dresseur, son Pokémon, la confiance. À force de combattre côte à côte, eh bien vous tisserez des liens aussi forts que ceux qui nous unissent, Dracofeu et moi. Dans ce cas, vous serez enfin digne. Guillaume qui sait, pas lire. Ben si. Et quand ce sera le cas, et pas oui. Dans ce cas, vous serez digne d'affronter le maître. Il va perdre une patte, le Wisdom Po. Oui, je m'en fous, je l'ai en vrai. Alors, oui, enfin, ce qui va se passer, c'est que moi... Qui va t'affronter, il n'y a aucun doute. Mais en attendant, Guillaume fera un rival idéal. Je te préviens, je vais tout donner pour gagner. Yes. Mais c'est pas parce que tu as un Pokémon que ça y est, t'es dresseur. Bah si. Il y a un entraînement à suivre avant, faut se préparer au combat Pokémon, tout ça. Exactement. Je peux vous dire qu'il n'y a rien de mieux que la pratique. Je vous propose de faire un petit combat amical tous les deux. On va voir comment vous débrouiller. Alors, tu es prêt à goûter au premier combat de Pokémon de ta vie? Oui. Croyez fort en votre partenaire et prenez bien soin de lui, c'est la base. Et surtout, n'oubliez pas, Dracofeu Power. Bien que vous le connaîtrez, plus sera facile de choisir les bonnes capacités et vos combats seront plus gratifiants. Tout le monde est là, alors go! J'ai vu tous les combats de mon frangin à la télé, j'ai lu tous ses bouquins sur les Pokémon! Je suis quasiment un expert en fait, je vais forcément gagner! C'est l'heure du duel! Yeah! Nabi, le dresseur veut se battre! Et il envoie l'Arméléon! Ouais, il va envoyer l'Arméléon. Mais non, il en a deux lui, moi j'en ai qu'un! Oh mon mouton! Il est trop mignon! Wisdom Po, go! Oh! Non, il est trop bien, Wisdom Po avec son bâton! À l'attaque, fais gaffe, j'ai deux Pokémon! C'est joli hein, l'effet là! Ouais, c'est vrai! Du coup, attaquer, eh bien on a griffe ou justement, on va faire un petit griffe. Griffe. Ouais! J'aime bien son petit bâton, il est trop bien. Et en fait, quand il est en mode repos, il pose son bâton comme ça derrière ses cheveux. Normalement, il a pas son bâton et son bâton il sort quand il est en combat. Comme ça, ouais. Eh bien, on continue. Bah, c'est Pokémon, hein, donc oui, après, griffe, Pokémon, hein. Voilà. Pour l'instant, ça, c'est simple. J'espère qu'on va avoir les multi-exp. C'est trop bien l'attaque de mon mouton, il roule. Ah, j'ai pas charge. Quand il fait charge, il roule. Bah là, il va mourir. Oh, là. Coup critique. Un coup critique. Waouh, wow, la chance est de ton côté. Ah oui, donc c'est écrit. Mais c'est marrant. Oui, c'était beau à gagner des points d'expérience. C'est joli la petite frame. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal esthétiquement, j'aime bien le...
il apprend tapotige. Ah, il aura une attaque. Ah oui, donc il monte de niveau pendant le combat, comme ça il nous permet d'avoir une attaque herbe et de voir ce que ça fait l'attaque herbe en fait. Ah mais, oui. Ouais. Et du coup, comme il est haut, et ben on l'explose. Parce qu'on va avoir une tapotige qui est sûrement plante. Voilà, c'est ça. Oui, mais plante, c'est. Alors, tapotige, c'est... première attaque plante de Whistempo, donc on va voir ce que ça fait. C'est faible contre l'eau. Mais non. Ah, c'est trop bien, il a une petite tige. Mais non, super efficace. Ah oui. Il a pris le faible. Ah oui, bah oui. Quoi? Tu as déjà compris les affinités de type? Non, mais c'est juste que ça, c'est évident. Regarde, regarde la petite tige, regarde. Tiens, elle fait une tige. Ouais. Ah oui, c'est marrant. Ouais, c'est là, son petit bâton. Il va pleurer. Et bam, oh, ça se trouve, il va pleurer. Non. Ah non, bah non. Il tombe c'est joli, hein. Ouais, franchement, c'est joli. Visuellement, déjà au niveau graphisme, c'est joli, hein. On est sur console, hein. Faut pas l'oublier, hein. Bon, il y avait Let's Go quand même sur console, mais bon. Ouais, Let's Go qui était déjà bien fait. J'ai quand même perdu avec deux Pokémon, mais vous êtes balèze, Whistempo et toi. 400 Pokédollars. Et en plus, je vais prendre l'argent. Ouais. J'hallucine, t'es super balèze en fait. Normal que mon frangin ait décidé de te donner un Pokémon à toi aussi. C'était un superbe combat, vous avez tout donné, ça se voit. J'avoue que j'ai failli me joindre à vous en voyant Dracaufeu, tellement ça va l'air bien. Bref, après l'effort, le réconfort, venez ici, je soigne vos Pokémon. Il fait tout lui, il donne les Pokémon. Oui. En tout cas, Guillaume, tu as des talents, tu seras un parfait rival pour Nabil, frangin. Je vais vraiment te dépasser. Ah oui, il y a pas moyen que tu me laisses aller battre dans les arènes, me combattre avec les arènes. Oula, ça c'est bien mon petit frère, tu ne perds pas vraiment de l'or, ça te tente un défi des arènes. Oui, bah on va y aller de toute manière, c'est tout de même le plus grand événement sportif de tout Galar, c'est plutôt non. C'est un peu tôt, non. Tôt, non. Avant de vous lancer, je pense que vous devriez en apprendre un peu plus sur les Pokémon. Et pour tout ça, il vous faut un... Pokédex. Pokédex Power. C'est l'outil indispensable du dresseur qui permet de répertorier toutes les infos sur les Pokémon rencontrés. Qui dit dresseur passionné dit Pokédex bien rempli, ne l'oubliez pas. Yes. T'en es ça, Guillaume. Il ouvre ton Pokédex. Ton Pokémon pour avec moi. Bonne idée. Je vais venir la professeure de votre arrivée. Compléter le Pokédex sera un jeu d'enfant pour un futur maître comme toi. Comme moi. Comme moi. J'écris mon histoire page après page. N'oublie pas de dire à ta mère que tu pars, sinon elle va se faire du souci. Donc on va aller voir maman. Yeah. Ok. Hey Guillaume, t'as entendu ça? Je sais pas, j'ai fait 10 mètres, j'ai fait un pas. Oui, on a entendu blâme. Oh, le moumouton. Il est allé par là-bas. Non, faut aller sauver le moumouton. Bah, ça se trouve, faut le capturer. La dernière fois qu'on l'a vu, il chargeait la barrière, mais tu crois qu'il est passé? Humain ou Pokémon, personne n'a le droit de rentrer. Je te souviens de quand la petite fille de la professeure y est allée. Apparemment, c'était pas la joie dans la forêt. On peut pas savoir. Et je te raconte pas le savant qu'elle s'est pris en revenant. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Bon, on va chercher. Complètement d'accord. On peut pas juste l'abandonner et faire genre, on n'a rien vu. On va le sauver. On va sauver Momoton, donc je pense que c'est pour l'attraper. Tu penses? Bah, je pense, ouais. Alors, la forêt. De forêt de Sleepwood. Sleepwood. Sleep. Dormir. Ouais, mais j'avais la forêt de Sherwood. Oui, en fait, Sherwood. Ouais, Sherwood. Je dit Sleepwood. Sleepwood. Où est passé mon mouton? Sleepwood. Il y avait de la brume en plus. Il faut vite. Il y a de la brume en plus. Ah. Il faut vite retrouver ce pauvre perpère. Mon mouton, où es-tu? Mon mouton. Ah. Ah d'accord, donc on les voit pas. On les voit pas. Oh, il est trop mignon. C'est un petit écureuil gris. Mais il est trop marrant. Mais il est trop bien. Il est un peu trop mangé, mais il est marrant. Bah, rond gourmand en même temps. Ouais, c'est vrai. Non. Bah, c'est le rongeur gourmand. C'est ça. Oh, bon, ça va. Ouais, ça pas trop c'est mal. Joli. Hein. Bah, du coup, t'as pas de. Ah non, t'as pas de. Ah, j'ai pas de Pokéball, donc bah, c'est non, mort. T'as pas de Pokéball. Bon, je pense que si on a croisé il là. Il est trop c'est bien, que... Miss Tempo. Franchement, je l'avais vu direct quand ils avaient présenté. C'est le plus beau. Non, c'est leur. C'est Flamino. Oh, Flamino. Du coup, t'as un siège lapin j'ai avec un lapin. J'ai un siège lapin avec un lapin dedans, ouais. Je peux même y chercher un vrai lapin si tu veux. Ouais. Mais il est un peu en souffrance, le pauvre. Ouais, notre lapin, il était hospitalisé. Ouais, bon, non, il s'est fait une petite entorse. Ouais, donc il est contaminé. Il, il est en quarantaine. En quarantaine. Il est pas en sortir de sa cage, c'est un fou. Ah. C'est un petit. Mais c'est une mésange. C'est moche. Mais il est gros, ils sont tous gros. Il a une tête gigantesque. Ils ont trop mangé de fish and chips. Ouais, je pense que les Anglais, c'est une critique des Anglais, ouais. Ah, c'est joli, remarque. Hein. Ouais. Par contre, je suis déçu, on les voit pas sortir comme sur Let's Go. Non, on les voit pas, ouais. Mais partout. Bah, je sais pas pourtant sur les captures, enfin sur les. Sur la, le gameplay, la démo, ouais, justement du Pokémon Direct, on l'envoyait sortir. Bah ouais. Bah, peut-être c'est au début. Je sais pas. On va voir. Bah, s'ils sortent pas, c'est un peu dommage parce que du coup, le Shiny, ça va être très difficile d'en avoir probablement.
Et puis c'était quand même pas mal sur Let's Go. Bon, ça faisait ramer un peu, mais sur Let's Go, dans la forêt, tu te rappelles là. Mais bon. Ouais, je peux aller tout doucement. Mais si je vais doucement, ça sert à quoi? Puisque de toute manière, je les vois pas. Pour attraper mon mouton? Ah, mon mouton, on l'a entendu. C'était quoi ça? T'as entendu? Non, en fait, ne me suis pas vite. Je le fais attraper. Il est pas mal. Hein. Il est pas mal, moi j'aime bien. Ouais. Alors je veux bien des petites réponses aux questions, les gens, si vous en avez. Est-ce qu'on peut avoir des shiny? Ouais, est-ce qu'on peut avoir des shiny? Est-ce que plus tard dans le jeu, on va pouvoir voir les Pokémon qui se baladent comme un peu comme Let's Go? Ou alors c'est juste pour le début, ou alors pour les forêts, ou les hautes herbes? Et dites-nous si vous aimez bien votre partie. Hein. Si vous y jouez en ce moment et si vous trouvez ça cool ou pas. Bah nous on est content parce que Pokémon c'est une nouvelle génération, on va prendre nos Pokémon, donc on fera sûrement un pack opening des nouvelles cartes quand elles sortiront au Japon. Oui. Donc on achètera et puis quand on fera... Quand ça sortira en japonais au Japon. Voilà, en japonais en France. Ouais. En japonais aux États-Unis. Mais arrête, tu vas casser ses pattes. Donc on monte de niveau petit à petit. Hein. Tiens, je te le confie. Vas-y, le mets comme ça si tu veux. Comme ça il est dans la vidéo. Il est deux fois dans la vidéo. Deux fois dans la vidéo. C'est pas un truc. Dépêchons-nous, Guillaume. C'est mouton, c'est un loup, c'est. Ah mouton. Il a disparu. Oula. On va où là? On voit rien? On s'enfonce. Je voyais rien. Franchement, cette brume ne m'inspire pas du tout. Je crois qu'on n'est pas les bienvenus ici. Et... Je trouve ça très bizarre. Ah oh, genre on le voit direct. Direct. C'est quoi ce truc? Wow. Ah bah oui, c'est lui. Je me disais bien que c'était un loup, mais c'est pas mon mouton. Quoi? Quoi? Ouh. Ah, il y a une oreille coupée. Mais il y a une oreille coupée sur son truc. Quelle oreille? Il n'y a pas d'oreille. Ah ouais. Mais attends, mais il ressemble pas à aucun des deux. Mais si, il ressemble à ça. Mais non, il n'y a pas de masque et tout. Sans masque. Bah, attaquer genre tapotige. Regarde, attention. Tapotige. Non, c'est pas lui. Incroyable, c'est comme s'il attaque. Le Pokémon mystérieux vous regarde. C'est quoi ce délire? La capacité n'a aucun effet. C'est marrant les transitions ouais, comme ça. Ouais, c'est marrant les transitions comme ça, ouais. C'est incroyable. Ah, c'est lui qui fait la brume. Il leur est coupé. On ne doit plus rien, ça va. Il faut continuer à le taper, je pense. Bah, je sais pas. Je pense que c'est fait exprès, oui. Incroyable. Ah bah, on voit plus rien. Ah, on voit plus rien. Moi je le vois encore, gros, qui a pas bougé là. Ah mais il a disparu. Elle a bougé là. Ah. Après l'écran noir. L'écran blanc, ouais. Ce que je veux dire. On se réveille. Qu'est-ce qui s'est passé? Nabil, Guillaume. Frangin, comment tu nous as trouvés? T'as zéro sens de l'orientation. Ah bah d'accord, dire que je me fais du souci pour vous, c'est comme ça qu'on me remercie. Je vous ai attendu trois plombes, hein, mais personne ne se pointait. J'ai fini par partir à votre recherche. Mouton, où est mon mouton? Il a disparu dans les bois, on veut le sauver. Jean, il était là depuis le début. T'inquiète, il va bien. Pas comme vous, quand j'ai débarqué, vous étiez par terre complètement chaos. Ça va pas la tête, vous savez pourtant que la forêt est interdite d'accès. Enfin, y'a pas à dire, je suis quand même fier de vous, c'était courageux de votre part. Ouf, on ne se sera pas retrouvé dans cette forêt brumeuse à se battre contre un drôle de Pokémon. Pour rien. Comment ça, un drôle de Pokémon? De quoi tu parles? Y'a un Pokémon super fort qui a déboulé, je l'avais jamais vu avant, et impossible de le toucher, les attaques lui passaient au travers. Les attaques lui passaient au travers, tu dis, tu sais que les gens racontent que la forêt de Sleepwood, il y aura des Pokémon mystérieux, et ça se trouve, ce ne sont que des illusions en fait. Qui sait? Si vous entraînez, vous parviendrez peut-être à jour à personne mystère. Mais pour autant, mais pour l'instant, vous feriez mieux de sortir d'ici. Allez, venez. Pourquoi tu rigoles? Je dis pas la même chose. Non, t'as inversé les mots. Bah oui, mais je dis la même chose au final.
Moi je dis, on a plutôt assuré, c'est pas mal du tout comme début d'aventure. Même si on s'est un peu fait tirer les oreilles par le frangin. Bah c'est marrant. On va encore se faire gronder si on s'en va sans le dire à personne. Rejoins-moi quand t'auras prévenu ta mère qu'on part à Brasswick. À Brasswick. C'est vrai que c'est très loin Brasswick, hein, c'est à 200 mètres. Bah on est à Paddockstone. Paddington. Paddockstone, oui c'est ça, ça c'est fait un peu ça. C'est l'ours Paddington. Paddington. Maman. Adios. Whisky, whisky, whisky. Qu'il est mignon ce petit Westampo, tu as très bien choisi mon chéri. Bah je sais. En fait, Tarak m'a dit que tu comptais aller à Brasswick pour récupérer un Pokédex. C'est super, je vais te donner un peu d'argent de poche pour la route, tiens. Comme ça, tu te pourras t'acheter des potions ou autres bricoles sans trop Pokémon. Ton Whistempo va se battre de toutes ses forces pour toi, alors tu dois bien veiller sur lui. Yes, Tempo. Mon joli petit Whistempo, je te confie Guillaume. Ok. N'oublie pas, si tu as des soucis, tu peux toujours rentrer à la maison pour te reposer. Ok. Oui, bah, c'est parti pour Brasswick. Ou un Frex. Mais alors, pourquoi la porte d'entrée, elle est derrière? Et on s'en parle. Ah, mais il y a deux rose boutons maintenant. Ah oui. Rose boue et bientôt il y aura le ton. Ton. C'est le petit monsieur qu'on a vu. Pokémon Go, wesh. Et là c'est Nabil qui nous attend. C'est la route numéro 1. En avant, c'est le premier pas sur la route qui me mènera au titre de maître. Perso, je vais commencer par m'entraîner dans les hautes herbes avec l'armée Léon. On se retrouve plus tard. Ah et n'oublie pas de passer au laboratoire Pokémon, tu sais, c'est le bâtiment là-bas. Je vois pas bien. Ouais, je. Non. Il y a un symbole rouge et blanc en forme de Pokéball. Ça s'appelle une Pokéball. Il y a un symbole de Poké. Ah. On est obligé de s'entraîner. Ah, si, on les voit. Ah, mais si, on les voit, ouais. Pourquoi on les voyait pas tout à l'heure? Oh, mais c'est trop bien. Pourquoi tu peux pas passer les moutons? Parce que c'est pour t'obliger à passer. Mieux vaut faire le tour pour ne pas réveiller. Ah non, faut faire le tour. Mais non, en fait, tu passes par les hautes herbes. Oui, c'est ça. C'est pour te forcer à faire quelques combats. Tu peux récupérer la Pokéball. Ah, ils fuient, ils ont peur de nous. Tu penses? Ouais, regarde. Regarde, tu vois. Oh, mon mouton! Oh, mon mouton! Mais on a pas de Pokéball. Bah, je pense que si, non. S'en fout, on va battre un bon mouton. C'est joli, du coup, le fond. Ouais, c'est le ce fond, qu'il y a ça. Derrière. Ouais, en fait. C'est ça. Donc, ça veut dire que. Là où t'es, et le X. Ah, si, on en a 5! Oh, oui! Il nous faut un bon mouton. En plus, c'est niveau 6. Wow. Tu vas peut-être faire. Ah, augmentation de la défense. Donc fais une tapotige. Mais c'est un tank, mon mouton, en fait. Ouais, je pense. L'attaque baisse. L'attaque et tu baisses de l'attaque et tu. Efficace. Et de... C'est marqué en dessous, t'as vu direct efficace, pas efficace et tout. Oui, ça c'était marqué aussi sur Pikachu. Oh, ça va être super intéressant. Moi, je vais le capturer maintenant. J'espère que je vais le capturer. Parce que là, sinon, il y a. T'en as pour 1000 ans là. Ouais. Premier. Là, je ne dois pas lancer comme dans Pokémon Go. Premier Pokémon attrapé ou pas? Oui. Mon mouton. Vous avez attrapé mon mouton. Bah, de toute façon, on va compléter le Pokédex de Galar, hein, puisque bah c'est oui. Que des nouveaux. Montée de niveau. Ah, tu gagnes. Montée de niveau. Ça, c'est cool. Mais comme dans Let's Go. Du coup, 131, comme il était méga haut niveau. Bah oui. Provoque. Comme dans Let's Go, voilà, ça c'est bien. Ouais. Ah oui, ça peut faciliter, mais nous on est bien. C'est bien, moi. Nous c'est bien. Même donner le multi-ex sur tout l'ensemble du Pokédex, ce serait très bien. Attends, regarde, tu vois. Ceux qu'on voit, Visi, ils ont peur en fait. Ah non, ils ont pas peur là. Il faut là, c'est quoi, là, les points, chercher, c'est hein. Quoi les points d'exclamation? Mais c'est ceux qui t'attaquent. Oh, c'est l'Arvibule. Bon, c'est un vieux, je capture pas les moches. Bah c'est ceux qui t'attaquent par méchanceté, tu vois. Ah non, tu sais que c'est efficace et tu l'as déjà fait. Au moins une fois. Ah oui. Tu vois, là, ah, il va me dire c'est pas très efficace. Coup de boue, ça va être super efficace. Non. Ouais. C'est pas très efficace non plus. Ah bah non, tu sais pas. Bon. Ah, c'est peut-être quand tu le captures ou quand t'as les données sur ton Pokédex. Ah, bah non, tu les avais pas. Pourquoi ça m'a mis efficace juste avant? Non, c'est quand tu le rencontres déjà une fois. Bah oui, t'as déjà fait un combat contre un mouton. Ok. Ah, il baisse ma vitesse, donc je peux pas jouer après. C'est pas mal, parce que du coup, là où t'es aux herbes, ça modélise l'environnement ouais. Autour dans les combats. Et du coup, ça rend beau le fond, en fait. Ouais. Bah bravo. Tu l'as mis KO, tu l'as même pas pris.
Je le veux pas l'image. Mais on s'en fout, faut qu'on mette le Pokédex. Quoi? T'as le Multilex direct? T'as besoin de l'avoir? Ah, il est intégré. Ah bah c'est bien ça. Moi ça me va. Tout ce qui peut être... Mon attend. Mais non, mais il est sans tank. Mais je m'en fous, je vais monter de niveau. Mais oui, mais c'est un temps, mais... De toute façon, on va pas aller chercher le truc, là, on va s'arrêter. Mais non, mais va chercher... Il est nouveau. Mais oui. Le gros qui mange, là. Tu vois, efficace, c'est marqué. Le gros qui mange. Bah, non, mais oh. L'écureuil qui mange tout. Ah oui, comment il s'appelle? Gros... tu vois. Rond gourmand. Rond gourmand. Gros gourmand. Gros gourmand. Gros tas. Espèce de gros groinf. Gros groinf. Ah, c'est un temps, mon mouton. C'est Chrysacébis, quoi. Ouais. Le mouton, il va être trop lourd, je pense. Ouais, je pense, ouais. Mais bon, après, comme on est niveau 9, on va passer le niveau. Ouais, mais du coup, c'est, faut penser que ton adversaire, il l'a. Enfin, Nabil, il l'a, ton mon mouton. Ce qui n'est bien. Ce qui n'est bien. T'as dû oublier, non. De peine. Lol. Allez, on explose, que en fait, ça XP à mort, hein, le précédent. Hein. Bah ouais, mais ça veut dire que celui-là, il va encore plus XP. Il y a Multilex, il y en a qui ont dû grincer des dents. C'est là qu'aime. Ils sont pas trop partisans de ça, mais moi je trouve non, ça bien. Moi je trouve ça bien parce que c'est justement, c'est pas censé être prise de tête, tu montes un Pokémon, ouais. Tant pis. Après, c'est vrai que c'est du coup, c'est, oui, c'est plus casu quoi. Ouais, c'est énormément casu. De toute façon, on l'avait vu déjà, le Let's Go Evoli, ouais. Pikachu était méga casu. 107! Yes! Niveau 10! Niveau 10! Trop cool! En plus, il monte direct de Du coup, il va monter. C'est 17, hein, c'est ça. Hein. Alors. Ou tu vois, ils ont peur, regarde! Mais. En fait, ils ont peur. Ah oui, eux, ils ont peur. Donc ceux que tu vois, ils ont peur, et ceux que tu vois pas, ils ouais. T'attaquent. Ah ouais, ça va être trop mignon. J'espère que les shiny, on peut les voir. Franchement, j'espère. Les gens, faut me dire en commentaire, j'espère, parce que... Attends, mais non, tu vas le tuer. Mais je vais pas le tuer, il est niveau 5, ça va. Tu te rends pas compte, quand même. Je peux le taper deux fois. Ouais, mais si tu fais un... Si tu fais un coup critique, il le tue. Eh ben, il y en a un autre juste après, c'est pas un Pokémon rare. Rond gourmand. Franchement, c'est marrant. Ouais, c'est marrant. On a de voir tous les Pokémon, on s'est un peu spoilé sur certains. Pas sur tous. Il y en a quand même pas mal de la 8ème génération. Maintenant, c'est la 8ème génération. C'est pas mal le raccourci vers la Pokéball. C'est assez intelligent. Mm. Bon, bah, cool. On va capturer les nouveaux Pokémon. Justement, tous ceux qu'on a vus. Bon, on va capturer l'oiseau aussi, il était à côté. Ouais. Ça, c'est facile, je pense. Rond gourmand. Est-ce qu'il y a des chaînes comme. Je pense pas, mais. Non, je pense pas. Par contre, il va vite monter de niveau. Oh, il est trop mignon! Il est trop une bonne tête. Ouais, il est joufflu. Bah, c'est pas mal s'il y a des Pokémon. Il y a des Pokémon. Non, ils t'attaquent en fait, certains Pokémon aussi que tu vois. Ah non, je leur fonce dessus. Non, parce que là, le Moumouton, il allait te foncer dessus. Hein. Ah bon? On voyait. Oui, il avait un point d'exclamation. Bon, bah, niveau 3, je pense qu'on peut lancer direct. Lui, je sais pas, il est peut-être méchant. Allez. C'est oui, bon. J'ai eu peur, je croyais qu'il allait sortir. Du coup, 3. Les Pokémon qu'on vient de voir, les nouveaux, eh bien, on les a capturés. C'est donc, ça. Moumouton, Rond Gourmand et. Et Whistempo. Et Whistempo et un truc oiseau. Et Mésange. Mini-Sange, la petite Mésange. Ouais. Ah, non, pas de surnom. Et donc, bah, prochaine vidéo. On va passer juste là. Vite. Voilà. Oh. Oh. Et une Pokéball déjà. Oh. Bonjour. C'est à nouveau aussi. Qui es-tu? Oh. Goupilou. Ah, il est trop mignon. Mais c'est Goupix. Ah, c'est un feu. Ou c'est Goupelin. Ouais, Goupilou. Goupilou. Ah, un feu, c'est bien. Hein. Si un feu, c'est bien pour toi. Ah, ouais, niveau 3, on va le capturer. Y'a plus que deux Pokéball. Hein. C'est vrai, Guillaume, il dépense tout. Bah non, mais je prends tous les nouveaux, Goupilou. Ok, alors c'est dur, il va falloir se souvenir des noms. Rond Gourmand, Goupilou, Mini-Sang, Goupilou. Donc ça c'est bon, on a retenu. Goupilou. Ouais, oh, c'est marrant. C'est marrant de recommencer Pokémon et ouais, d'avoir vraiment d'avoir une nouvelle région. D'avoir une nouvelle... Parce que depuis Lune et Soleil, ça fait depuis 2016, je dirais. Ouais. 15, même ouais, avant. Je prends ça. Deux antipares. Et c'est pas des nouveaux aussi, là? Non. Ils ont peur. Ouais. J'espère qu'on verra hein, si c'est des. Si ce sont des shiny. Des shiny, hein. Ouais. Bon, on verra bien. Alors, je vais juste aller ici.
C'est le maître. Ah oui, d'accord, ils sont là. Donc, ça va être ici. Est-ce qu'on... Bah, on va s'arrêter là. On s'arrête là-dessus. On va s'arrêter là pour ce premier épisode. On ira du coup au laboratoire Pokémon dans la prochaine vidéo. Avec Ado Mystère, il faut récupérer Pokédex. Un code mystère aussi parce que c'est oui. Un Miaouss. C'est un Chacha, oui, bien sûr. C'est un Miaouss, ouais. Gigamaxer. C'est ça. On a eu ça. Bouh, en tout cas, faut nous dire déjà quelle version vous avez choisi, quel Pokémon vous avez choisi en starter entre l'Armeleon, Whistempo et Flamino. Carrément, et puis de toute manière, on se retrouvera demain pour la suite de l'aventure de Pokémon épée et bouclier. Et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo de Gimme Kim. Allez, salut, salut.